Vous savez quoi? Elle me monte au nez. La moutarde. Bon, je n'ai rien contre, hein. La preuve, j'en mets bien dans mes vinaigrettes. Mais chaque fois que je dis que je viens de Dijon, systématiquement, les gens me disent « Ah, la ville de la moutarde !» On vous l'a déjà dit? Oui. Ah oui. Tiens, la ville de la porcelaine, à tout hasard, ce serait quand même pas plus classe? Ah, on me dit à l'oreillette que c'est déjà pris. Ah oui, la ville de la porcelaine, c'est Limoges, bah oui, tant pis. Tiens, la ville de la dentelle, ça c'est raffiné. C'est pris aussi? Oui. Ah ben alors, je sais pas moi, les images d'Épinal, les parfums de grâce, que sais-je? Mais la moutarde, nom d'une écharde, la moutarde. Notez qu'on a aussi le pain d'épices et la crème de cassis. Eh bien non, pour toute la planète. Et le kir? Et le vin? Ah ben, tout ce qu'on a, hein, quand même. Hein. Pour toute la planète, Dijon est la ville de la moutarde. Mais, bonne nouvelle, elle vient de décrocher, la ville de Dijon, une fameuse distinction. Ce n'est pas n'importe laquelle, on peut s'enorgueillir. La voilà, ambassadrice des saveurs. Elle l'a bien mérité, un jury l'a nommée cité de la gastronomie et du vin. Une belle notoriété pour demain. On reluquait déjà son cuir grâce à celui qui eut l'idée d'additionner de crème de cassis un verre de plomb ligoté. Le chanoine cuir au grand bonheur perpétue la tradition. Et en tant qu'illustre amateur, au breuvage donna son nom. Dijon, la ville de la moutarde, a fait foi. Elle a été choisie, a gagné son pari. La voilà, ambassadrice de sa femme. Elle l'a bien mérité, un jury l'a nommé, cité de la gastronomie et du vin. Ces escargots sont appréciés depuis qu'un cuistot bourguignon qui n'avait rien à présenter à des illustres compagnons eut soudain cette idée loufoque d'aller chercher dans son jardin des escargots trop vaillatoques à y percevoir ce feu divin. Dijon, la ville de la moutarde, a fait quoi? Il a été choisi. Gagner son pari, et la voilà, ambassadrice de sa femme. Elle l'a bien mérité, un jury l'a nommé, cité de la gastronomie et du vin. Une belle notoriété pour demain. Quant à son vin, n'en parlons pas, les plus grands crus sont convoités, eux qui transcendent le repas, sont brisés dans le monde entier, mais le plus fort, c'est la victoire. Sur les Suisses menaçant les gens, quand la trémouille leur en fit boire, ils ouvrirent les négociations. Dijon, la ville de la moutarde, a fait foi. Elle a été choisie, a gagné son pari, la voilà, ambassadrice de sa femme.
l'a bien mérité. Mon cher ami, cité de la gastronomie et du vin, une belle notoriété. Bien mérité, un jour il a nommé cité de la gastronomie et du vin, une belle notoriété pour demain. Des raisons d'être fier de Dijon, ça ne manque pas, et ça ne date pas d'aujourd'hui. Tenez, le Jacquemart. Tout à côté, là, en haut de l'église Notre-Dame. Depuis des siècles, les gens viennent de l'Europe entière pour l'admirer. Le Jacquemart, ce superbe automate qui ponctue les heures, les demi-heures, les quarts d'heure. Vous savez ce que c'est au départ, le Jacquemart? C'est un trophée. Parfaitement, ma bonne dame. Oh, c'est un joli mot. Mais ne tournons pas autour du pot de moutarde. Ah ouais, elle est toujours la moutarde. On l'a piqué aux Belges, le Jacquemart. Rien que ça. C'est du propre, je vous le dis. Mais bon, après tout, ils n'avaient qu'à mieux se défendre. Être plus nombreux, mieux armés. Bon, sans compter qu'à l'époque, on était chez nous. Il manquerait plus qu'on les plaigne. Bref. Grand Seigneur, on leur a tout de même laissé les frites, hein, et les yeux pour pleurer, hein. Peut-être pas à tous, mais bon. Tu verras, famille des plus sympas, c'est le clocher de Notre-Dame, c'est le Jacquemart et sa femme, Jacqueline et leurs deux enfants, Jacquelinette et Jacqueline, depuis plus de 600 ans, la fierté des Dijonnais. À l'origine de cette histoire, un problème de territoire entre le roi Charles VI et les Flamands. Dijon avait dépêché un millier de beaux armées pour écraser la révolte des habitants. Et la tête, tu verras, une famille des plus sympas. C'est le clocher de Notre-Dame, c'est le Jacquemart et sa femme, Jacqueline et leurs deux enfants, Jacquelinette et Jacqueline. Depuis plus de 600 ans, la fierté des Dijonnais. Du paix froide court très dévissé, comme trophée de guerre pour le pays, ils furent ramenés dans la cité. Une famille des plus sympas, sur le clocher de Notre-Dame, c'est le Jacquemart et sa femme, Jacqueline et leurs deux enfants, Jacquelinette et Jacqueline. Depuis plus de 600 ans, la fierté des Dijonnais. Les Dijonnais l'ont adopté, le Jacquemart ils l'ont nommé, l'homme qui est fier du martel par tous les temps. Avec son air débonnaire, il rêvait de satisfaire une pique. Famille des plus sympas, c'est le clocher de Notre-Dame, c'est le Jacquemart et sa femme, Jacqueline et leurs deux enfants, Jacquelinette et Jacqueline. Depuis plus de 600 ans, la fierté des Dijonnais. Au 15e siècle, on s'étonna que notre ami ne fût marié ou qu'il ne souffre de célibat. Jacqueline va l'épouser. De la tête, et tu verras, une famille des plus sympas, c'est le clocher de Notre-Dame, c'est le Jacquemart. Jacqueline et leurs deux enfants, Jacquelinette et Jacqueline. Depuis plus de 600 ans, la fierté des Dijonnais. Mais nos amoureux du clocher, souffrant de stérilité, plus de 100 ans à s'aimer sans descendance. Coupant pour en moquerie, Jacqueline les rejoignit, puis sa petite sœur Jacqueline, quelle chance. De la tête que tu verras, une famille n'est plus sympas. Jacqueline et leurs deux enfants, Jacquelinette et Jacqueline. Depuis plus de 600 ans, la fierté des Dijonnais.
chance d'être accompagné par deux musiciens formidables. Au piano, Francis Arbello. Et au violon, Estelle Arbello. Famille des plus sympas, sur le cachet Notre-Dame, c'est de Jacquemart et sa femme. Jacquinet, leurs deux enfants, Jacquinette et Jacquinet, depuis plus de 600 ans, la fierté des déjeuners. Vous trouvez ça logique, vous ? Les Dijonnais s'approprient l'horloge de Courtrai et quand ils ont un château, ils le démolissent. Mais oui, au cœur de Dijon, il y avait un château fort. L'hôtel de la Poste a été construit sur les fondations. Place Cangier. La rue du château, ça vous dit peut-être quelque chose. Imaginez un peu les soirées estivales, enchapotées, endimanchées, à siroter un petit kir. Eh bien non, les cocktails d'exception en altitude, on ne peut plus qu'en rêver. Il a été rasé, rasé jusqu'à la dernière pierre. Pourquoi ? J'imagine le tollé.
château, symbole d'austérité, rimé avec un mot, un seul mot, liberté. Le château de Dijon n'est plus forteresse ignorée, souvenir d'un passé évolu que les hommes ont gommé. À votre santé. Si je comprends bien, les Dijonnais ne se laissent pas faire. Et l'un d'entre eux en particulier avait une de ces idées, une idée complètement folle, ahurissante même. Des années durant, il revient à la charge. Il use de tous les stratagèmes possibles. On parle d'un conseil municipal particulièrement houleux. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais il finit par la faire passer, son idée. L'obstination finit toujours par payer. Et son idée, c'est de donner... quoi ? Un lac à la ville de Dijon. Et bien sûr, cet illustre personnage entêté comme pas deux, vous l'avez dit, c'est... le chanoine Kir, Félix. Félix Kir, le chanoine, bien sûr. Une qui fait de la corde à sauter, ça c'est excellent.